les actionneurs. Avant de regarder les vidéos, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. CAC 40, 12 novembre. Alors, notre situation en journalier. On voit que pour l'instant, on réalise quand même un beau passage sous et on valide le breakout de l'ATL, on vient au contact de la moyenne mobile et on se rapproche tout doucement de notre niveau d'achat aux alentours des 854 pour anticiper, je dirais, notre zone de ranging daily. On a cassé néanmoins une petite, enfin on est en train de casser une petite trendline qu'on peut le constater si on projette celle du dessus, mais moi j'aime pas trop faire ça, je préfère quand les TL sont créés bien par le bas. En une heure, là, on revient attaquer justement une boule TL sur ce niveau-là, plus le S2 jours. Pour l'instant, on ne s'en affranchit pas. Une clôture dessous pour laisser présager donc un contact rapide sur les 53. 53, gros niveau d'achat par contre. En 5 minutes. Ce matin, donc, avec le discours de Mario Draghi, nos PR assez volatiles. Là, ici, on a eu donc un break franc atteint du major move direct, puis gros reversal sous forme de climax. On s'est écrasé sur cette grosse bear TL pour revenir ensuite de façon bilatérale passer sous les previous lows formés ici. Et puis là, à la sortie de cette petite zone de ranging, on a développé jusqu'au major move et jusqu'à notre niveau sur le S2 jour. Sur ce S2 pour l'instant est capacité à passer dessous. Donc l'optique est à l'achat pour l'instant sur ce niveau. Pour aller rechercher au moins au minimum les 890, voire en extension sur tout ce point-là, les 97. Et pourquoi pas entamer major trend reversal. Ce qui pourrait arriver sans problème. Maintenant, il faudrait s'affranchir de cette bear TL. CAC 40, fin de journée. Alors, nous sommes sur la close. Et là, on attaque notre zone d'achat. Donc, pour nous, à partir de maintenant, 60, 45, 60, on est vraiment sur une grosse zone d'achat. Les stops devront être placé bien en dessous 31. Alors là, il s'agira de savoir si on reste swing ou scalp, parce que le stop swing sera bien bas, bien bas, du style 572, voire un premier stop swing aux alentours des 35 34. Tout ce qui sera acheté ici sera revendu bien sûr sur le top de notre anticipation de zone de ranging. Donc là, en une heure, notre CAC, on voit qu'il s'est affranchi de cette TL, mais il reste dans sa grosse zone de ranging, de consolidation. Et là, on a un bel appui dessus sur une TL. On est toujours sur une zone d'achat, il n'y a pas de problème. À partir de 60 jusqu'à 47 par anticipation, il n'y a aucun souci, surtout en tenue swing. En 5 minutes. On peut voir qu'il y a eu de très belles opportunités cet après-midi. Notamment, ici, on a eu une petite zone de ranging qui s'est dégradée assez rapidement. Là aussi, on a eu une zone de ranging. Et là, pareil, on refait une zone de ranging. Donc ça, c'est le stairs pattern. Et bien sûr, en termes de price action, nous avons simplement un rebond qui revient au niveau du dernier swing. Et là, je maintiens ma position acheteuse. Et après, parce que malgré tout, on est dans une grosse zone de ranging. Donc là, par contre, en 5 minutes, pour l'instant, on n'est pas acheteur. On a une première belle reprise. On attendra le reversal de cette grosse leg de baisse pour pouvoir, pourquoi pas, re-rentrer à l'achat. Mais pour l'instant, nous restons out du marché. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.